Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a une planche qui vole. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous avez aimé la petite nouvelle intro. C'est les gens de TikTok qui l'ont choisi. Voilà, donc j'espère. Ça c'est la face. Des fois ça se peut que je mette la lente si la vidéo est un peu trop courte. Puis que je trouve que l'intro pourrait faire augmenter la vidéo. Mais l'intro longue elle dure 18 minutes au lieu que l'intro longue elle dure 13 minutes. C'est genre quelques secondes d'écart. Mais bref, c'est aussi moi qui décide, mais vous inquiétez pas, la face restera. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog 31 1er janvier. Et aussi il y aura un vlog qui va poursuivre après. Donc du coup la journée du 1er janvier. Et il y aura un autre vlog qui va commencer à partir du 2 janvier jusqu'au je sais pas quoi. Et celui-là sortira plus tard. Celui-là sort le 1er janvier. Du coup je dois finir le vlog un peu plus tôt et le publier à 21h. C'est assez bizarre à dire mais ouais. Du coup c'est donc la dernière et première vidéo 2023, du coup, dernière vidéo 2022 et la nouvelle 2023, elle sort en 2023, du coup, et je vous souhaite donc une bonne année, hein, mais je vais vous le dire ce soir, de toute manière, on va fêter le nouvel an ici, on va manger de la fondue, je vais vous filmer, on va écouter des trucs, on va attendre jusqu'à minuit, quoi, et je m'endors toujours à minuit, pardon, mais ça, donc voilà. Aujourd'hui, ce matin, je m'en vais à la boutique, je vais me coiffer, je vais déjeuner avant, je me suis fait des petites gaufres avec des fruits, toujours avoir des fruits. Et voilà, je vais vous mettre un petit timeline. Et c'est ça, après je vais à la boutique et à 1h30 j'ai un live sur Twitch. Et le soir, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais vraiment essayer de vous filmer le plus possible, mais voilà. Donc je vous dis bisous et à tantôt. Bon les gars, je suis actuellement dans la voiture, j'attends mon père, du coup là je vais rentrer, il est 1h10, mon live commence à 1h30. Donc je vais manger vite, ou je vais peut-être même partir le live, je vais aller faire mon dîner, puis je vais revenir. Moi dans une minute, je vais faire vraiment quelque chose de simple. Du coup voilà. Je vous dis bisous, bye bye. Bon, je filme actuellement avec mon ancien téléphone, c'est peut-être pour ça que la qualité est mauvaise. Mais là, il est actuellement 5h et je sais pas quand est-ce qu'on va manger. Mais j'ai suffi de faire mon make-up avec vous, comme ça la vidéo va durer un peu plus longtemps. Du coup, pour ce make-up, j'ai déjà besoin de ce blush, de ce fond de teint, de ce autre fond de teint et de ce pinceau, ce petit truc qui fait brillant, voilà, de mascara, c'est ce que je trouve dans ce bordel, voilà. C'est tout pour de ce cobber acide, de pinceau bong et évidemment d'une palette. Et je vais utiliser la palette Révolution que j'ai reçue en cadeau de Noël par notre voyante à la boutique. Donc c'est parti, je vais vous parler en même temps. Du coup, j'ai fait mon live, vous avez eu un petit aperçu. Je mangeais pendant que je faisais mon live avant de continuer. Oh, il manque le pinceau là pour appliquer le fond de teint. Vous êtes un peu mon miroir là. Donc si je m'approche, c'est un peu normal. Hein.
Et on allait me dire, oui, mais tu sors pas, tu nous as dit que t'allais manger. Oui, mais j'ai envie de mon make-up. J'ai totalement le droit. Je crois pas qu'il y a rien qui m'en empêche. Donc je l'applique et je l'applique comme ça. J'ai un beauty blender, oui, mais il est tout sale. Puis j'ai eu la flemme de me maquiller. Puis je trouve que ça s'applique mieux au pinceau. Autre pas. En plus que ça l'applique, ça en avait un petit peu quand même, mais il est assez couvrant celui-là. Je l'ai acheté au Dolo si vous voulez savoir. Je vais vous dire ce que j'ai acheté ou je sais quoi là. Donc j'applique celui blanc en premier et après j'applique un petit peu de celui qui est un peu plus foncé que j'ai acheté au Dolo exact. Encore une fois, c'est de là que j'ai acheté au Dolo. Ouais, bol. Voilà. Au Dolo à Chaoui. En bas de la ville. Bon, par la suite, je vais prendre cet avantage, j'en ai vraiment pas beaucoup. Parce que sinon il me fait très orange. Tiens. Hop. Et hop. Comme ça. Et on l'applique. Désolée, je parle pas beaucoup. Au pire, je couperai un petit peu. Ok. Je crois que ça va. Par la suite, je vais appliquer le blush. Alors, le blush, je l'ai reçu en cadeau. Donc, je sais pas où ma mamie l'a acheté. Parce qu'elle l'a acheté en Suisse. Du coup, voilà. Je sais pas du tout où il vient. Mais je l'ai reçu avec un sun pack aussi de fard à paupières. Mais je vais pas utiliser celui-là aujourd'hui. Donc là, j'applique du blush comme ça. Je sais pas si c'est du blush ou pas, mais bon. Le Snow Kissing, qui fait un peu plus pâle. Du coup, ça va un petit peu plus pâlir mon teint. Non, c'est ridicule, mais je fais ce que je veux. Et après ça, j'applique le Mary in Brine. Salut mon anglais. J'applique un peu et je descends un peu pour pas qu'il soit trop. J'en mets pas vraiment beaucoup. Juste assez pour que ça fasse rougir mes pieds. Et après ça, j'ajoute le Christmas Dream sur les côtés. Comme ça. Un petit peu trop. Voilà. Le Christmas Dream. Hop. Puis je le descends vers le bas. Voilà. Le bas. Hop. Par la suite, quand c'est fait, j'ajoute ceci qui te fait un petit peu une brillance sur les pommettes. Comme ça ici. Sur le côté surtout. Un peu comme un blush, mais version. Version je sais pas quoi. Et j'applique avec le pinceau. Je le descends bien vers le bas, je le monte et je le descends. Ça paraît peut-être pas, mais moi je trouve que ça fait une petite différence quand même. Voilà. Maintenant on va passer aux yeux, donc du coup je vais utiliser ce faceau-ci. Et je vais utiliser la palette Révolution que j'ai reçu en cadeau, je ne sais donc pas d'où il vient. Et cela vient de chez Sephora, ces pinceaux-là, en Suisse, que ma mère a acheté. Ça se trouve sûrement, je sais pas si on a Sephora ici, je crois pas, non. Donc je vais utiliser celui-là, il me paraît très très beau, puis il est très clair, donc ça va pas trop paraître. Puis il est très pailleté, et ça c'est totalement fait mon style. Oh regardez là, il est trop beau. Tiens, on dirait même pas qu'il se voit, genre je vais peut-être le rajouter avec un autre là, mais je vais commencer par ça. Première étape fait, mais vu qu'il est pas assez voyant, je vais le rajouter avec celui-là juste à côté, qui est un peu, bah il est un peu brun saumon, brun, pas saumon vraiment. Hop, on le rajoute par-dessus vraiment. Ils font plus qu'un. Même encore, je le vois pas assez, je trouve. On va rajouter un peu de paillettes ici. Là, je suis très optimiste. Je veux pas trop qu'il se voit, mais je veux quand même que... On voit que je suis un petit peu make-up quand même. C'est là que j'ai refait tout ça pour rien. Puis, juste pour qu'on voit un peu qu'il y a d'autres couleurs, on va mettre un peu de brun. Ça va comme ça. C'est beau comme ça? Moi je trouve que ça va. Je vais peut-être même rajouter un peu de... Là vous allez me dire, ça fait pas beaucoup de faire la paupière. Mais je fais ce que je veux. J'aurais pu recommencer mais j'aurais peur de... tout enlever mon fond de teint, etc. dessus. Et ça fait... les autres couleurs en dessous font ressortir les couleurs au-dessus. Bref. Moi je trouve que ça va. On voit que tu make-up quand même. C'est quand même assez discret. C'est très facile à faire. Des couleurs que j'utilise très souvent. Et pour le rouge à lèvres, je le mettrai après, mais c'est avec un rouge à lèvres rouge pétant. Ça, je peux vous le dire, c'est un rouge très pétant. Ah, j'ai oublié le mascara, mais quel con. Hop. J'ai l'impression d'en avoir trop mis. Je vais repasser avec le Crobacil, ça va peut-être enlever un petit peu.
Donc c'est ça pour le make-up. Et comme j'ai dit, le rouge, c'est un rouge très pétant. Je vais vous le montrer. J'ai reçu plein de rouges à lèvres pour Noël de la part de ma mamie. De chez Sephora également. J'ai également reçu une palette de chez Sephora. Je vais vous la montrer. Ah, il est là. C'est un rouge comme ça. Donc vous pouvez bien dire qu'il est pétant. Je vous dis, il est pétant. Je vais vous le montrer plus tard. Donc bisous. Mais nouvel an, Noël, c'est la même chose. Ouais, y a pas un pays pour nouvel an. Hein. Ouais, c'est ensemble du nouvel an. Oh bah, bon, je peux le retrouver, moi. Ouais, rien que dedans, la vie dedans. Oh là là. Bah là, j'ai mis Noël, désolé. Oh, c'est carré comme ça. Nouvel an, c'est dans la période de Noël. J'ai trouvé nouvel an. Mais... Ouais, ça arrive comme ça. Parce c'est plus en Chine, c'est pas. Mal fendu. Avec la lumière qui bouge. Alors, filtre un peu flou, mais bon, je vous souhaite tout un joyeux 2023, bonne année 2023, joyeux Noël, non, une bonne année 2023, j'espère que votre année 2023 va mieux se passer de votre année 2022, si votre année 2022 s'est mal passée, comme moi, un peu, c'était un peu le free-for-all, une classe qui est mal débutée, et on n'a même pas fini, que je sais pas ce que ça va donner au retour des fêtes, j'espère que ça va aller mieux, mais voilà, je vais prier de tous mes yeux que tout se passe bien, je vais commencer ma résolution, faut que je ramène des bols. Autant commencer ma réunion que j'ai commencé depuis quelques jours. Ramener les bols et tout ça. Il est actuellement minuit 19 et 20, en vérité. Et je vais donc aller bientôt me coucher. Je vais me démaquiller, etc. Après ça, je vais peut-être écouter un petit peu des vidéos parce que ça paraît con, mais je suis pas encore totalement fatiguée. Donc voilà. J'ai mon collier qui se twist à chaque fois, je comprends pas. Bref, donc voilà. Donc je vous souhaite toute une année 2023, on se retrouve pour la suite du 1er janvier demain matin du coup. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite du 1er janvier. Et là je vous ai parlé, il était minuit 19, alors ce matin j'ai eu du mal à dormir, à me réveiller. J'ai eu aussi du mal à dormir, hier soir je me suis endormi, il était 2h du matin. Ouais. Bref, aujourd'hui, j'ai une journée un peu tranquille quand même, ça va. J'ai un live à 1h30. À vers 3h30, après, quand ma mère a fini de parler avec sa mère et son frère, on va écouter The Sound of Music parce que je l'ai jamais écouté, puis ma mère voulait me le faire écouter. C'est ça. C'est vraiment tranquille. Et du coup, ce vlog sort ce soir. Donc, il faudrait que je le finisse plus tôt et que je finisse le montage. Donc, voilà. On peut voir que je suis vraiment... Je sais pas si c'est le filtre ou c'est juste que voilà. Mais j'espère que vous avez passé un joli réveillon de nouvel an. Moi ça va. Donc, je vous dis bisous et à tantôt. Salut! Wow! C'est le party en arrière! Salut tout le monde! Donc, c'est donc la fin de cette vidéo parce qu'il est actuellement 18h43 et je dois finir, je dois l'enregistrer, faire l'affiche et la publier. Donc, je la finis d'avance. J'ai plus rien d'autre à vous filmer en vérité.
Voilà, je vais pas dire plus qu'il dure quand même 40 minutes le vlog. Il dure, je sais pas combien de temps, 20 minutes, je dirais, je sais pas, peut-être un peu moins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, demain il y a un nouveau vlog qui part, mais vous le verrez juste le 15 janvier du coup. Ça va être la semaine du, 2 au 5 janvier pour l'instant. Je crois pas qu'il y aura de 6, 7, 8. Parce que bah, je crois que j'ai rien prévu, mais voilà. Donc je vous dis bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker. Et merci pour les 109 abonnés. Actuellement, on est 109 abonnés. Je sais qu'il y a quand même une partie qui peut-être qui regarde plus, mais merci quand même d'être 109 abonnés. N'hésitez pas à partager au max à vos amis. Puis je vous dis bisous à la semaine prochaine. J'arrive pas à parler. Bisous et encore bonne année.